Ah, ça, c'est un de mes préférés aussi. C'est Cyril Remettino et Bruno Robert. Il était deux fois. Alors, j'adore les illustrations. D'ailleurs, c'est devenu ma photo de profil. Hein, je vous le signale comme ça. Regardez regardez les illustrations. C'est absolument fabuleux. Alors, vous avez un canard et une autruche. Alors, ils sont chacun de côté de leur monde. Hein. Ça se déplie. Pour lire le soir, c'est génial avec vos enfants. Puis, regardez. Ça se déplie, donc vous avez des grandes... Alors, il y a un moment, il y a le canard, il voit la rivière, et puis il y a l'autruche, de l'autre côté, elle voit une rivière aussi. Et donc, le canard, il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout de la rivière hein? Et puis, l'autruche aussi. Alors, le canard, lui, il nage, hein, il y va, et puis l'autruche, elle va marcher. Et puis, il y a un moment, ils vont se rencontrer. Et qu'est-ce qu'elle voit? Ils ont peur. Alors l'autruche, elle est complètement terrorisée. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout petit qui flotte et l'autre qui voit le... Et là, vous allez voir comment peu à peu, ils vont s'apprivoiser, comment ils vont être super copains. Ils vont rencontrer plein de gens. Ils vont apprendre ce que c'est qu'un canard, une autruche. Voilà, regardez, et c'est très 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 jolie histoire, je ne vais pas vous la raconter, hein, je vous la fais courte, mais c'est très très joli, j'adore les couleurs, ça se déplie, donc avec les gamins vous pouvez suivre la rivière et tout, vous pouvez faire au moins, dans une histoire comme ça, vous pouvez en faire 1000, donc c'est sympa, vous pouvez la faire tous les soirs différentes, parce que je connais certains qui font le même livre pendant 20 ans, et remarque, il y a des écrivains qui écrivent le même, mais il y a des gosses qu'il faut leur écrire, il faut leur lire la même histoire pendant... Donc là, allez-y, c'est génial, j'ai adoré, c'est très beau, c'est mignon, c'est aux éditions du Ricochet, ça s'appelle Cyril Remettino, Bruno Robert, il était deux fois. Alors il y en a qui vont tirer une philosophie, voyez, sur la différence, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez faire Kant, Descartes, là-dessus, hein. Moi j'ai surtout vu l'histoire d'un petit canard et d'une autruche qui sont super sympas et puis qui vont se rencontrer puis qui vont devenir copains et rencontrer plein d'autres trucs. Enfin bon, et puis l'autruche, elle iconne quand même un peu, hein, je dois vous dire. Le canard, il a l'air un peu... C'est normal parce que le canard, il est tout petit, donc les petits, ils sont nettement plus intelligents que les grands. Voilà. Il était deux fois.